Synchrotron Soleil fabrique de la lumière très intense pour utilisation par des chercheurs. Un accélérateur de particules accélère des électrons à des très hautes vitesses et ils atteignent presque la vitesse de la lumière. Les électrons sont injectés dans un anneau de stockage et contraints dans l'anneau par un très fort champ magnétique. Chaque fois que les électrons passent un aimant, la lumière synchrotron est produite. Cette lumière couvre une très grande gamme spectrale, les rayons X, les ultraviolets, la visible, les infrarouges. On a 29 lignes de lumière qui collectent et focalisent ces faisceaux à des points différents autour de l'anneau, chaque ligne étant un petit laboratoire de recherche optimisé pour un domaine scientifique. Avec le laboratoire Servier, nous avons établi un partenariat unique, l'installation d'un laboratoire de production de protéines pour étudier avec le rayonnement très intense du soleil l'interaction entre ces protéines et des futurs médicaments. Un des points déterminants est d'arriver à faire en sorte que le médicament soit le plus efficace et le plus spécifique possible de la maladie que l'on veut traiter. Par exemple, nous travaillons en ce moment sur des protéines impliquées dans la multiplication des cellules cancéreuses et c'est la bonne connaissance de ce mode d'interaction entre le médicament et ces protéines, nos cibles thérapeutiques, qui nous permettent d'avancer vers un traitement en oncologie. Et pour cela, il est indispensable de bien comprendre la façon dont le médicament va interagir avec la protéine que l'on veut cibler, où le médicament se positionne et quel type d'interaction il va former avec cette cible. Et c'est cette connaissance fine du mode d'interaction entre le médicament et sa protéine pathologique qui nous permettra d'être spécifique des cellules pathologiques et d'éviter au maximum de toucher aux cellules saines et donc d'éviter les effets secondaires. Un autre point déterminant est le temps que prend le développement d'un médicament. Un temps qui est long, toujours trop long vis-à-vis des attentes des patients et du corps médical. Et en ce sens, le synchrotron soleil est un formidable accélérateur du temps. Il nous permet non seulement de réaliser des expériences beaucoup plus rapidement que dans n'importe quel laboratoire de biologie structurelle classique, mais surtout de nous engager dans des stratégies qui nous permettent d'optimiser les candidats médicaments sur la base de toutes ces informations qui sont collectées sur ce site. Le LBS Cube est le laboratoire de biologie structurale Servier à Soleil. Nous sommes le seul laboratoire de recherche pharmaceutique situé sur le synchrotron Soleil. Il est le fruit du partenariat entre un grand groupe comme le laboratoire Servier, un grand équipement comme le synchrotron Soleil et Novalix, une PME spécialisée dans la cristallographie des protéines. Notre mission est de soutenir les programmes de recherche de nouveaux médicaments de Servier. Pour cela, nous effectuons la production de protéines d'intérêt thérapeutique soit en bactéries, soit en cellules d'insectes. La finalité étant d'obtenir la structure tridimensionnelle de ces protéines en présence de candidats médicaments et d'ensuite faire la structure par cristallographie au rayon X en utilisant les très grandes qualités du faisceau synchrotron que nous avons à disposition ici. Depuis quelques années, l'industrie pharmaceutique a complètement changé de dimension dans sa façon de conduire sa recherche, en impliquant plus que jamais des chercheurs d'horizons extrêmement variés qui fonctionnent en mode partenariat. Et c'est ces nouveaux modes de fonctionnement, beaucoup plus ouverts, qui nous permettront de découvrir les médicaments de demain.